Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à Empire 47 et je m'en vais vous montrer en exclusivité la toute nouvelle Shaman. Alors, on a une petite permission spéciale pour venir essayer la Shaman ce matin. Je voulais la conserver en bon état avec les conditions changeantes de l'automne. Donc, on n'ira pas en fou pour faire attention de ne pas briser les virages. Mais la bête, elle est très belle. Wow! Qu'est-ce que je peux vous dire sur la Shaman? C'est une piste bleue, donc intermédiaire, d'une longueur de 1,8 km. Elle se prend à la fin de la montée de lait. Wow! Tellement belle! Une belle petite piste rapide qui peut ressembler un petit peu à la cave Trail. Elle partage un petit peu le même dénivelé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, un petit peu de slab. Oh, on a quelques sauts. Nice. Ça va être le fun. Donc la Shaman a été ouverte quelques jours cette semaine. Il n'y a pas eu d'annonce officielle de fête. Ils voulaient laisser les gens la découvrir par eux autres mêmes. Laisser les gens la rouler un peu. Voir comment elle va se placer avec le temps. Ouf! Wow! Shark fin, ah, elle est super belle! Wow! Oh! Oh. Oh, j'adore ça! Merci Empire 47! Wow! C'est donc ben nice! Hop, la vitesse pour celle-là! Wow! Oh, les berms sont beaux! Comment ça, j'ai pas su qu'ils travaillaient là-dessus? Wow! D'habitude, je suis quand même assez au courant des pistes qui se font dans les différents centres. Celle-là, j'ai manqué le bateau. Wow! Ah, oh, puis elle est longue en plus! On a une version plus facile de la Yador. Wow! Oh, il y a une piste qui croise ici, j'ai pas remarqué c'était quoi! Et on va arriver dans le coin de la Huron, j'imagine, selon le dénivelé. J'ai pas le seul d'avoir fait cette erreur. Oh my god! C'était la Shaman! Wow! Incroyable! Ah.